qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Bah raconte-moi un petit peu ta vie, qu'est-ce que t'as fait en venant? Qu'est-ce que tu prépares? Et ben là, je fais une petite activation pour le premier event de ce soir. Avec le run. Run, bro, DU et run. Donc je tourne un peu les jambes, je me réveille un peu. Parce que ça fait du bien, ça permet d'envoyer un peu de sang. Parce que c'est vrai que quand on s'entraîne moins, on a bizarrement le corps un peu plus cassé. Ça ne veut pas dire qu'on est moins fort, mais c'est juste que le corps se met en stand-by. Ça va, t'as bien dormi? Bien dormi. J'aime pas spécialement les premiers events, genre pas le haut dans le lieu. Genre le premier event, c'est toujours soit plus stressant, plus dur. Donc j'espère juste l'avoir. Une fois qu'il est fait, une fois que t'es rentré dans ta compète, c'est entre guillemets plus facile. Fais ton go-out. Il faut. Ça dévie un peu le corps. T'es un peu bloqué là de pas bouger? Ouais, de fou. J'ai hâte la première journée. Ça, t'as le corps qui est un peu fatigué. Je te retrouve dans des situations un peu plus connues. Plus habituelles. Là, tu sais jamais, comme t'as le corps qui est frais, tu sais jamais si c'est bon signe ou mauvais signe. Donc soit que t'as pas de jus, soit que t'en as beaucoup trop. Donc, Est-ce qu'il va être frais longtemps? Ouais, ça devrait le faire. Au briefing? Non, on va au McDo. Ensuite, on enchaînera sur KFC. Ouais, non, briefing. Briefing. Orientation, la première étape, plus dure que le briefing, c'est rejoindre Pimpin. Je vais l'appeler. Tu penses qu'il est perdu? Ouais, je pense que... Je pense qu'il part dans Londres, hein. Putain, pourquoi il reconnaît... C'est la moustache, il reconnaît plus ma tête. Ouais, t'es où, là-dedans? Ah bah, c'était de la salle, bouge pas, on arrive. J'arrive. Je fais comment pour le complexe de parmi ça? J'espère que la shop elle est assez solide surtout. Ouais, moi, c'est pour ça qu'on s'inquiète, c'est pour la logistique. Ouais, la shop. Comment il marche le complexe? Tu montes de... T'as combien de barres? 3. T'as 3 barres pour faire autant que tu peux? Ouais. Step down obligatoire. Oh non. Ah, je suis moi je suis deg. Y'a quoi là comme consigne sur le deuxième workout? Rien. T'avances tous les 15 des pistoles. Ah oui. Les DU par contre ils ont changé, maintenant c'est t'avances tous les 100. C'était sûr. C'est sûr parce que pour savoir où vous en êtes, c'est pas facile en fait. Et les handcoureurs, tu fais tes 9 à un endroit et avant et tu avances et après tu vas recommencer ton retour. Tes 9 rings. Voilà. Okay. C'est, ouais, c'est bizarre, hein. Alors, pas de step, je sais pas ce qu'ils ont avec le step down. Mais ils te font pas. C'est non, trop dangereux. Je veux dire qu'ils te poussent à faire le step down. Ouais, tu vois. Enfin, est-ce que c'est pour la safety, pour la sécurité? Ouais, safety, tu vois. Les radeaux qu'il y a au premier coup. C'est pour vous changer votre habitude, quoi. Je sais pas, lui, Putain, je suis parti trop doucement. C'est les autres qui sont partis fort, non? Non, je suis parti vraiment doucement. Bah, mon deuxième run est 1 km/h, 1,5 km/h plus vite que le premier. En vitesse sur par km/h. En fait, le premier, je pensais, je sais pas pourquoi, je me suis calé sur l'entraînement. Et en fait, je pensais que je pouvais vraiment aller plus vite. Et du coup, au runner, je me suis calé en 1,46, genre les 200 premiers mètres. Et après, j'ai vu que tous les autres étaient dans 1,47 et que genre 1,46, ça me faisait rien. Du coup je dis bon vas-y, tu sais quoi, t'as fait une erreur, t'es parti trop doucement, t'assumes, maintenant tu vas ramer fort. Du coup j'ai ramé une 42, une 43, j'ai gratté un peu de temps mais pas tant que ça. Après au début je savais que ça me faisait rien les débuts, c'est juste un moment je perds un peu de temps parce que elle m'a dit, je sais pas, j'ai 6 et j'ai cru que c'était c'est bon, du coup en fait il en restait 6, du coup j'ai perdu 5-6 secondes.
Et après, en montant sur le dernier run, je me suis dit, bon, bah, tu bombardes. Et quand j'ai vu qu'ils commençaient à tous craquer sur le run, le deuxième, je savais que je courais en 18-18-5, donc je savais que j'allais remonter un peu. Et au final, j'ai bien remonté. Tu fais combien sur le hit là? Aucune idée. J'ai rien suivi. J'ai... Normalement, t'es 4. 4, ok. Bon, ouais, c'est bien. Ça m'apprendra. Mais bon, c'est... je préfère quand même faire ça que partir trop fort. Alors ah, fucking fresh. Ah, c'était dur, hein. C'était, honnêtement, je m'en veux d'avoir cuté les muscle up, mais comme j'ai dit à Craig, c'est le mouvement sur lequel je me suis fait la première déchirure du tendon. Et bon, c'était avec un sac à dos lesté pour les Wodapalooza, mais et du coup, dès que j'ai une rep de où je sens que c'est difficile, je lâche direct, je prends aucun risque. Du coup, là, j'ai fait ça direct à 9 et 3 à la fin, mais je savais qu'ils étaient un peu lents au pistol. Et je me disais, bon, s'ils ont un peu de rep d'avance, franchement, je les rattrape, je bombarde au pistol. Et de toute façon, la barre, je sais que si je suis côte à côte avec eux, sans vouloir les dénigrer, loin de là, mais je savais que j'allais la prendre. Et même si je faillais, c'est pas grave, hein, mais je savais que j'allais la prendre, donc c'est cool. C'était calculé, donc? Non, pas calculé, honnêtement, je pensais pas du tout gagner cet event. Et honnêtement, je pense que ça veut rien dire, c'est juste deux events. Il y en a plein, il y en a où je serais moins bon, il y en a où je serais peut-être encore bon. Donc j'attends juste de voir et... Et on verra, hein, c'est step by step, hein, je suis déjà juste content d'être là, moi, c'est que du plus. Alors, débrief de la première journée. Ouais, débrief en train de récupérer avec mes super bottes de 7 lieues. Là, normalement, là encore, je suis bien, mais quand ça va venir ici gonfler, je serai bien ridicule, c'est cool. C'est pour ça qu'on a décidé ce moment pour faire la vidéo. Non, ouais, ça va, première journée top. Voilà, focus sur le day 2. Sur le deuxième jour et voilà le complexe, bien assuré, rester propre, voilà, pas faire forcément des folies mais genre assuré, c'est important aussi. Et les 24, là ils viennent de nous annoncer que du coup c'est step down obligatoire sur les box jumps, donc ça change un peu tout. Puis c'est vrai que les lignes au sol, il y a juste un petit bout de verre pour le handstand wall, du coup ça va être dur de voir, mais c'est pareil pour tout le monde après, donc, voilà. On verra bien demain, chaque jour son problème. Et là, ouais, content de la première journée, le corps il est bien, je suis dans un état normal d'entraînement. Donc c'est des sensations connues et donc voilà, je me focalise sur demain, je sais que c'est encore, il y a encore deux grosses journées. Donc voilà, il n'y a plus qu'à.